Un chien, je suis pas sûr. Hein. Non, on va prendre un chien. Un chien, ça lui ferait plaisir, mais... Non, on va le sortir. Je m'en occupe pas, moi. Et ça, c'est des bébés rats. T'as vu la taille qu'ils ont? Ça devait être comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. On cherche un animal pour une petite fille de 8 ans. Oui, qu'est-ce que vous recherchez? Ben, un petit animal qui lui apprenne à prendre des responsabilités, à avoir le sens de l'engagement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par le sens de l'engagement? Qu'elle s'en occupe tous les jours. Comme ça, elle verra ce que c'est d'avoir des responsabilités. C'est dur, elle a 8 ans. C'est pour votre petite fille? Non, c'est pour la fille de mon ami, mais c'est pour son anniversaire, c'est moi qui lui offre. Et l'animal vivra? Chez moi, justement. Et c'est bien ça le problème. Donc un animal qui demande une attention régulière, mais qui vous donne pas trop de travail. Voilà. Et si on trouvait une tâche quotidienne, mais ludique? Oui, oui. Ça doit pas être forcément une corvée. Hein. Oui, et elle pourrait même prendre du plaisir à respecter ses engagements. Bah ça, si vous y arrivez, vous êtes très forte. Hein. Et en même temps, si l'engagement n'est pas tenu, que ça vous donne pas trop de travail. Exactement. Alors dans ces cas-là, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah oui? Vous avez convenu d'un budget pour son anniversaire? Ah bah pas de problème. Hein. Si vous trouvez le mouton à 5 pattes qui la rend responsable, moi je l'achète au poids de l'or. Hein. On va essayer de trouver. Venez. Alors tenez, regardez. C'est un cobaye péruvien. Oups. Tenez, prenez-le. La particularité de cette espèce, c'est qu'ils ont les poils très longs. Si vous les peignez tous les jours, ils ont les poils très beaux et très doux. Oui, mais attendez, là, pour le nourrir, changer la cage, ça ne demande pas trop de travail? Alors justement, il y a des distributeurs grande capacité qui lui permettront de tenir plusieurs jours. Et pour la litière, on a des nouveaux mélanges qui absorbent bien les odeurs, même si on la laisse un peu plus longtemps que prévu. Ouais, mais c'est pas très pédagogique, ça, si elle oublie pendant plusieurs jours. Justement, si elle oublie, vous ne serez pas pénalisé. En revanche, elle sera pénalisée parce que le poil sera moins beau et moins agréable. Ah ben ça me paraît très bien. Alors déjà, vous voulez un mâle ou une femelle? Ça, c'est toi qui vois, hein. Vraiment. J'en sais rien. Pas d'idée. Ah non, pas du tout.